la Journée mondiale du tourisme sous le thème Tourisme et paix, occasion pour le ministre gabonais du tourisme de prononcer un discours irrelatif. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cette journée, je tiens à souligner que le tourisme peut être une force de transformation, un pilier pour la construction d'une société plus pacifique. Il joue un rôle essentiel dans la promotion du dialogue interculturel, en permettant à des millions de personnes de se rencontrer, d'échanger et de s'enrichir mutuellement. Le Gabon, à travers ses diverses initiatives, comme la récente caravane touristique nationale, œuvre sans relâche pour encourager la découverte de notre territoire par les Gabonais eux-mêmes, tout en ouvrant nos portes aux voyageurs du monde entier. C'est dans cet esprit que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'engage à développer des infrastructures de qualité, à renforcer les capacités de nos professionnels du tourisme et à assurer une expérience unique à chaque visiteur. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque touriste qui découvre le Gabon en reparte transformé, ayant vécu une expérience inoubliable dans un cadre de paix, de sécurité.